une étude sur 80 patients, et puis actuellement, des patients inclus, on en a plus de 1000. Hein. Médecin, chercheur et microbiologiste de renom. Tenter de transformer son savoir en produit qu'il vendait, en vaccin, vous voyez, donc on essaie de transformer, si vous voulez, ce que l'on sait en produits utiles et qui sont utilisables ultérieurement pour aider la santé des humains. Ayant fait l'expérience il y a 3 siècles avec la peste arrivée par la mer, par son port ouvert sur l'Afrique et l'Orient, la ville a su développer au fil du temps une médecine des voyageurs en provenance souvent des tropiques. Aujourd'hui, Marseille abrite l'une des plus grandes équipes au monde de médecine infectieuse et tropicale. Savoir qui est temporaire, hein, parce que les savoirs scientifiques sont temporaires. Donc si je peux vous donner une leçon, c'est mon métier. De différence, c'est qu'on rajoute en plus un antibiotique banal, l'antibiotique qui a été le plus prescrit dans les infections respiratoires dans le monde, qui est l'azithromycine. Et avec ça, on a des résultats aussi bien au laboratoire sur les cultures virales, qui sont spectaculaires, que chez les patients, où on a des résultats qui sont très impressionnants. Et donc, oui, on a depuis maintenant un certain temps commencé à traiter tous les patients avec cette association, avec des résultats qui sont à ce jour très satisfaisant. J'ai publié une étude sur 80 patients, et puis actuellement, des patients inclus, on en a plus de 1000. Hein. Oui. Didier Raoult.